laisse pas, quand je suis seul, ne me laisse pas. Quand ça me blesse, j'ai des stress sans cesse qui me presse. Je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça me presse dans ma détresse. Je crie sans cesse, ne me laisse pas, ça me blesse dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce que nous pouvons acclamer pour Jésus ce matin? Est-ce qu'il y a de vivant ce matin? Est-ce qu'il y a le vivant ce matin ici en ces lieux? S'il y a le vivant, acclamons pour Jésus, acclamons pour Jésus. Il est merveilleux. Tu peux saluer la personne qui est à tes côtés. Souhaite-lui bon dimanche. Tu peux demander aussi la santé, c'est pas un problème. Demande comment vous allez, comment était la nuit. Ah, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il est merveilleux, c'est Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Genèse 1er, 27 à 28. Alléluia. Oui, vous pouvez il bien. Il créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui s'émeut sur la terre. Parole du Seigneur. Multipliez-vous, soyez féconds. Seigneur, nous sommes là pour toi. Voilà les hommes et les femmes que tu as créés à ton image et à ton ressemblance, Seigneur Dieu. Nous sommes là pour t'adorer. Et que nous avons, nous sommes reconnaissants de cette souffle de vie, Seigneur, que tu nous as accordé. Nous sommes reconnaissants pour ton amour, Jésus. Voilà pourquoi nous sommes réunis ici en ces lieux, pour te dire combien tu es merveilleux. Alléluia, Marodessa. Pour te dire combien tu es précieux pour nous. Pour te dire combien tu es merveilleux. Tu es tout le coup et abattu pour n'avoir qu'un misère, mon Kenny. T'as la bique là, mon baïe, qu'un misère, mon Kenny. T'as la bique là, mon yéko, sans zola, mon Kenny. El Shaddai ton maman. El Shaddai ton maman. El Shaddai ton maman. Pour ton walelo. El Shaddai Adonai. Le Dieu tout puissant. Compatissant. Puis que le ciel révèle. Que la terre préfère. Que tout l'univers. Le vainqueur. Que tu s'en parles, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, il m'a fait voir tous ses espoirs en qui je crois. Trouve une place devant ta face, El Shaddai, pour sa demeure. Restons ensemble pour toujours. Laisse-moi t'écrire en son amour. Restons ensemble pour toujours. Tu parles pour
je t'aime de toutes mes forces. Seigneur, si je vis, c'est grâce à toi. Père, si je vis, c'est pour toi. Seigneur, si je suis là, c'est pour t'élever, toi seul, Adonai. El Shaddai, toi Jésus que je suis là, c'est pour toi, oh Dieu de gloire. Je me présente ici en ces lieux avec force, parce que je sais que mon Rédempteur est vivant, parce que je sais qu'il est vivant, parce que je sais que Jésus est vivant. Voilà pourquoi je me lève avec force. Oh Jésus, je me lève avec force parce que je sais que tu es là. Je me lève avec force parce que je sais que tu es là. Je me lève avec force parce que je sais que tu es là. Je me lève avec force parce que je sais que tu es là. El Shaddai, Adonai, le Dieu tout-puissant, le roi compatissant. Lui que le ciel révèle, que la terre préfère, que tout l'univers le vénère. El Shaddai, Dieu sans faille, je lui dois ma délivrance, il est ma puissance. Le Dieu de mes espoirs, il me fait voir tous ses espoirs, en lui je crois. J'ai trouvé une place devant ta face, El Shaddai trouve sa demeure dans mon cœur. Encore une fois,
change de pleurs, cris de joie, l'artisan de mon bonheur, l'auteur de ma gloire. Sous l'ombre de ta main, sur mon chemin, bien rassuré, me lendemain. Dans mon cœur, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Est-ce ensemble pour toujours? Tendre père, laisse-moi t'écrire un chant d'amour. Est-ce ensemble pour toujours? De tout mon corps, toute ma vie.
Amen. Ce matin, nous allons lire la Bible dans Éphésiens chapitre 2, versets 18 à 22. Et là, nous appelons le frère Gustave. Octave, je l'appelle Gustave. Octave, c'est la même chose. Tout se termine avec 20. Amen. Et tout se termine avec 20. Et sa maman ne veut pas qu'on change les noms de son fils. Octave. En ce matin, nous lisons dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, du verset 18 à 22. J'ai lu au nom de Dieu. Car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est la parole de Dieu. Grâce à Dieu. Père, nous te disons merci pour ce message, pour cette lecture biblique. Laisse-moi exprimer ma joie, Seigneur, pour l'onction particulière que tu mets en cet enfant, ô Dieu, pour pouvoir te servir. L'Éternel, ce matin, nous voulons être sous la conduite du Saint-Esprit et nous voulons que toi seul, tu nous parles et que tu nous conduises. Élimine-moi afin que les paroles qui sortiront de ma bouche
viennent réellement de toi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Notre thème de ce matin, Mama likambo ya tongo ya lelo, Église famille. Etonga libota. Église famille. Etonga ezali libota. Très souvent, lorsque nous venons au culte de famille, Balanziki etongo toyaka na losambo ya mabota, souvent nous parlons beaucoup plus de nos familles, je pourrais dire, charnelles. Notre cohorte, notre lignée, telle que nous sommes nés de nos ancêtres jusqu'à nous, et nous essayons de projeter aussi nos descendants. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a mis à cœur de parler de la vraie famille. La vraie famille que nous négligeons. Or, c'est cette famille qui va aller avec nous au ciel auprès du Père. Écoutez, la Bible dit ceci. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Mais comment ta famille peut être sauvée si toi tu crois? Si c'est moi qui crois et que ma famille tout entière est sauvée, donc ça ne sert pas, je peux croire seul et puis ma famille est sauvée. Il n'y a pas de contradiction. En fait, lorsque toi tu crois, tu vas amener ta famille à croire aussi. Tu seras comme le socle, la base, la semence de ta famille. Et c'est ça qui fera que tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Évidemment, ceux qui vont te suivre. Alléluia. Amen. Et cette famille est importante. Nous sommes nés dans une famille. Et c'est Dieu qui a voulu que nous soyons nés dans cette famille. Personne ne s'est choisi une famille. Je dis bien personne. Tu ne sais même pas pourquoi tu es né dans cette famille-là. Et beaucoup de fois d'entre nous disent, pourquoi je suis né dans cette famille? Alléluia. Amen. C'est que tu es dans cette famille indépendamment de ta volonté. C'est Dieu qui l'a voulu. Mais il y a une famille que toi tu as choisie. Amen. Amen. Cette famille est plus importante que la famille qu'on t'a imposée par Dieu. C'est compliqué, hein? Ah, Dieu. Nzambe. Il m'a mis dans une famille. Et cette famille-là est moins inférieure par rapport à la famille que je me suis moi-même fait choisir. Pourquoi je dis cela? La Bible dit, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et nous sommes nés en Adam. Toute personne qui est née à Adam, si il ne se choisit pas une nouvelle famille, cette famille ancienne qu'il avait avant, ou la famille où il reste, c'est une famille qui est déjà dévoué à l'échec et dévoué au malheur. Voilà pourquoi Jésus-Christ, il va nous dire
que nous devons naître de nouveau. Si l'ancienne famille était importante, je vous rassure, Jésus-Christ n'allait pas nous demander de naître de nouveau. Alléluia. Amen. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible dit, celui qui ne prend pas soin de sa famille est pur qu'un incrédule. Amen. Amen. Vous voyez maintenant une corrélation entre celui qui ne prend pas soin de sa famille. Et ce que je dis maintenant, que Jésus-Christ dit que vous devez naître de nouveau. Nous soyons nés de nouveau, pourquoi? Lorsque nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans la famille de Dieu et nous ferons en sorte que nos membres de famille nés avec nous dans notre lignée pour que tous nous puissions entrer dans la famille de Dieu. Vous allez remarquer dans la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu a marché avec deux familles. Alléluia. Amen. Si nous voyons de Abraham jusqu'à Jésus-Christ, c'est une famille. Et Dieu, dans son amour, malgré que Adam avait un autre enfant qui était en dehors de la volonté de Dieu, mais Dieu n'a pas laissé cet enfant. Et dans le plan de Dieu, cet enfant-là rentrera aussi dans la lignée d'Abraham. Évidemment, par Jésus-Christ, pour que eux tous soient réellement membres de la famille de Dieu. L'Église est une famille et nous sommes membres de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais j'ai compris une chose. Que le diable Diabolo combat beaucoup plus la famille église que nos familles à la maison. Ye abundisaka mingi libota ya kati ya bana na nzambe koleka libota oto botami. Parce que tant que nous sommes là à l'église, nous ne considérons pas comme de frères et de sœurs réels. En fait, cette chanson de frères en Christ et sœurs en Christ, c'est seulement comme ça dans l'air. Or, la vraie famille, c'est lorsque tu es né de nouveau et tu fais partir de la famille de Dieu. Tout celui qui est dans la famille de Dieu a le comportement de la famille de Dieu, a le comportement du royaume. C'est comme ça que la Bible nous recommande de marcher comme Christ, parce que Christ est le premier né de notre famille et il donne le modèle que nous devons tous suivre. Et en tant qu'enfant de Dieu, chacun de nous est une pierre du temple de Christ. Alléluia. Amen. Nous voyons dans nos familles à la maison, nous voyons papa, nous voyons maman, nous voyons les enfants. À moins que ces enfants n'écoutent pas leurs parents. D'ailleurs, moi, ça me choque lorsque je vois des enfants où leurs parents travaillent et ils croisent les bras, regardent les parents en train de travailler. Ça
Ces enfants ne sont pas dignes d'une famille. C'est la même chose à l'église. Quand nous sommes tous enfants de Dieu, dans une famille, chacun de nous doit apporter sa pierre à l'église. Car nous sommes tous le temple de Dieu. Et que Dieu habite en nous et n'habite pas dans des bâtiments. Nous appartenons au royaume de Dieu. Et lorsque nous appartenons au royaume de Dieu, il n'y a plus de gens de la seconde zone. Il n'y a plus de gens de la seconde zone. C'est-à-dire, tous hommes, il y a d'autres qui ont plus de valeur par rapport aux autres. Lorsque nous sommes dans notre famille, nous sommes tous au même niveau. Il n'y a pas une personne qui a beaucoup plus de valeur par rapport à l'autre. Alléluia. Amen. Et je peux dire ça comme un enseignant. Ou cette prédication, je voudrais t'amener à prendre conscience que ton frère qui est à tes côtés ou ta soeur qui est à tes côtés, il est réellement ton frère. Il est vraiment ton frère. Ne le considère pas comme un étranger. Tu le considères comme ton frère. Parce que Dieu nous aime tous de même amour. Et l'amour qu'il a pour Christ, c'est le même amour qu'il a pour nous. Et pourquoi entre nous, membres d'une même famille, nous ne pouvons pas nous aimer? Alléluia. Amen. Nous remarquons quand nous sommes dans nos maisons en famille, on prend soin de sien. Et je remarque même quand je regarde dans les réseaux sociaux comment les gens partagent, comment ils écrivent, vous sentez qu'il y a des tendances par rapport à une famille donnée. Sa propre famille. Et il oublie que ton frère ou ta soeur qui est avec toi, qui n'a pas encore Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, n'est pas ton frère. Parce que vous allez vous séparer. Alléluia. Amen. Vous allez vous séparer. Ton vrai frère, c'est celui qui est né de nouveau avec toi. Évidemment, j'ai élargi ça. Je ne limite pas seulement au niveau de notre église locale. Membre de la famille de Dieu. Et il a le même droit que tous les autres frères en Christ ou les sœurs en Christ. Amen. Amen. Oh. Je parle calmement, lentement et sûrement pour que nous puissions saisir et comprendre que nous devons avoir un comportement des enfants de Dieu. Qui peut abandonner la famille de son père ou de sa mère et partir et laisser sa famille? Mais comment, lorsque nous sommes enfants de Dieu, moindre problème, on se décide, on prend une décision. Ce jour, vous n'allez plus me voir dans votre église. Celui qui n'est pas membre d'une église est orphelin.
Mwana oyo azanga baboti. Il est orphelin. Yazali mwana etike. Il n'a pas de père. Azangi tata. Pas de mère. Azangi mama. Je voudrais vraiment ce matin Nalingi penza na tongo ya lelo ye. Que nous puissions prendre conscience que nous appartenons au royaume de Dieu et il n'y a pas de sous-hommes. La Bible dit dans Galates chapitre 3 versets 26 à 28 car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tout ce qui avait été en Christ, vous avez revêtu Christ, et il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, je peux vous dire une vérité. Lorsque je vous regarde et je réfléchis sur vous, par moment je suis dans la joie. Et par moment je suis dans la tristesse. La joie pourquoi? Lorsque je vous regarde tous, je dis la Bible m'a dit, si tu vas croire, tu auras beaucoup de maisons, beaucoup de familles. Alléluia. Amen. Rappelez-vous de ces disciples qui avaient posé la question à Jésus-Christ. Si je laisse tout, j'abandonne tout, j'aurai quoi? Alléluia. Amen. Dans ce siècle, tu auras de famille. Alléluia. Amen. Mais de quelle famille donc il a fait allusion notre Seigneur Jésus-Christ? C'est la famille de Dieu. Mais dans le siècle qui va venir, c'est le royaume de Dieu. Le ciel. Là où nous allons vivre l'éternité. Avec notre famille. En Jésus-Christ. Nous sommes tous enfants de Dieu. Parce que nous avons cru tous. Et nous avons placé notre foi en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le fait que nous avons cru en Jésus-Christ, nous sommes tous enfants de Dieu. Et je disais que par moment je suis dans la joie et par moment je suis dans la tristesse. Pourquoi la tristesse? Lorsque je regarde l'église, je regarde certains comportements et je dis, Seigneur, c'est moi qui suis le papa de cette église, c'est comme si j'ai échoué dans la mission que tu m'as confiée. Un papa qui a des enfants voyous, c'est un papa que tout le monde ne considère pas. Tu peux avoir des millions, tu peux avoir des maisons, des véhicules, tu peux avoir même des enfants. Rate l'éducation de tes enfants, tu es nul. Alléluia. Amen. Et lorsque je pense à ça, et je regarde l'église, je dis Seigneur, c'est la grâce. Tu peux faire grâce, Seigneur, pour que je ne perde personne. Alléluia. Amen. Je vous exhorte, l'église. Na tutisibino na lobi na bino etonga.
Si réellement vous aimez Dieu, et vous m'aimez votre pasteur que Dieu a placé devant vous, faisons un effort de marcher comme des enfants de Dieu. Je vous dis, ça me fait très mal. Par moments, je pleure moi-même lorsque je vois certains comportements. Alléluia. Amen. Enfants de Dieu. Nous sommes tous égaux de Dieu. Tous égaux devant Dieu. Mais cela n'exclut pas le règne établi par Dieu. Alléluia. Amen. Dans la famille où nous sommes nés, selon la volonté de nos parents, il y a une réglementation. Il y a un ordre. Et Dieu a placé l'homme comme le chef de la famille. Et cet homme a le rôle de pouvoir aimer sa femme pour que sa femme puisse à son retour puisse être obéissante et soumise. Alléluia. Amen. Et les enfants vont suivre la ligne. Il y a l'aîné. Et jusqu'à des fois quand je regarde mes enfants, surtout lorsqu'ils acculent le petit David, comment ses frères sont en train de l'acculer par moment, il est en train de manger, puis il fait ceci. Et moi j'ai interpellé, mais vous ne voyez pas qu'il est en train de manger. Mais en fait, c'est quoi? C'est seulement cet ordre que nous devons respecter. Celui qui veut devenir grand, celui qui veut vivre la gloire de Dieu, doit rester dans cette lignée de respect de la hiérarchie que Dieu a placée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent. Que ce soit en famille ou à l'église, parce qu'ils ne respectent pas l'ordre établi par Dieu. À l'église, Dieu a placé un pasteur. Il a ses associés. Il y a des anciens, il y a les diacres. Il y a un ordre qu'on doit respecter. Et je voudrais vous dire ce matin, celui qui maudit son père à la malédiction. Et c'est la même chose à l'église. Celui qui maudit son pasteur à la malédiction. Ou celui qui maudit celui qui est devant lui à la malédiction. Mais nous sommes tous égaux devant Dieu. Mais selon les tâches, les responsabilités que Dieu a données à chacun de nous, il y a l'ordre que Dieu a établi. Voilà pourquoi je voudrais exhorter l'Église la parole divine. Que nous soyons des hommes et des femmes respectueux. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Et il nous aime. Et chaque fois, il nous rappelle à l'ordre. Et là, il nous dit dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 6, ceci.
Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel exista en forme de Dieu. N'a pas regardé Dieu comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Amen. Amen. Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Mais parce qu'il était envoyé sur la terre, il est resté obéissant. Comme on peut dire en lingala mwana bitinda. Comme on peut dire l'enfant des courses. Un garçon de course. Un garçon, moi na bitinda. Il l'a accepté. Il n'a pas réclamé. Voilà pourquoi même à l'église telle que nous sommes là, nous devons être humbles et respecter celui qui est devant nous. Parce que c'est de lui dépend notre bénédiction. De la même façon que le papa à la maison bénit ses enfants, de la même façon à l'église que le pasteur bénit ses enfants. Le fait tout simplement que je te dis que Dieu te bénisse. Peut-être toi tu trouves ça, bon, il a parlé. Mais cela a un impact. La bénédiction est biblique, même au niveau de la famille. Nous avons vu Isaac, nous avons vu Jacob. Alléluia. Amen. Comment les enfants sont bénis? Esaü, par moment, c'était tout un problème parce qu'on lui avait arraché sa bénédiction. Faites attention. Tu peux être un supérieur. Tu peux être un grand frère. Mais tu risques aussi de rater ta bénédiction et que ton frère puisse avoir ta bénédiction. Tout cela dépend de ton comportement, de la façon dont tu te comportes. Alléluia. Amen. Église de Dieu, nous sommes une famille. Considère celui qui est à tes côtés comme étant ton frère et comme étant ta sœur. Parce que vous êtes tous baptisés par le même baptême. Et vous avez tous le même esprit. Le même esprit qu'avait Jésus-Christ. C'est le même esprit que nous avons. Et nous sommes un et unis en Jésus-Christ. Je voudrais que nous puissions avoir un comportement conséquent vis-à-vis de mon frère. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas encore vu, peut-être ça existe, mais moi, dans ma famille que nous appelons née selon la volonté de mon père et de ma mère, aucune fois, on se met à deux pour commencer à critiquer l'un de nous. Souvent, nous, peut-être, si nous voulons rire, on se met ensemble, on commence à penser à notre grand frère aîné. Comment il se comporte, comment il parle. Comment il le veut à tout prix qu'il soit le chef pendant qu'il est chef. Et là, peut-être, on est là, on est en train de rire. Oui, c'est possible. On peut être là, on commence à réfléchir sur « Ah, en tout cas, papa désiré, regarde, c'est que ça rabisso. » On peut le dire. Oui, on peut penser un jour. Mais on ne peut pas être là deux frères ou deux sœurs pour critiquer notre frère ou notre sœur. Où tu cherches l'échec de ton frère.
quand tu viens à l'église, tu veux qu'on te voie seulement toi. Alléluia. Amen. Je vous dis vrai, tous ceux qui s'effacent, ce sont ceux-là qui sont de grands. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'est une leçon de morale pour toi aujourd'hui. Que tu comprennes que tu ne peux pas être là pour chercher l'échec de ton frère ou l'échec de ta sœur. Pendant que vous êtes tous membres d'une même famille, l'Église Parole Divine. Christ a donné son sang pour toi, pour ta sœur. Sache-le que chaque fois que tu veux le mal pour ton frère, ce mal-là, tu le veux en Jésus-Christ. Chaque fois que tu cherches que ton frère échoue, cet échec-là, tu le veux en Jésus-Christ. Or, Jésus ne peut pas accepter d'échouer. C'est toi qui vas échouer. Notre Dieu nous aime. Il ne nous aime pas avec de degrés. Mais ce qui est vrai, ta bénédiction auprès du Père peut avoir de surplus que lorsque tu te comportes autrement que les autres frères. En fait, nous avons tous le souffle de vie. Nous sommes tous là aujourd'hui à l'église. Le souffle de vie, c'est gratuit. Mais lorsque tu veux avoir un surplus, il faut que tu marches tel que Dieu veut. Parce que lui-même dit, il y a la bénédiction et la malédiction. Si tu marches selon lui, il y a la bénédiction. Si tu ne marches pas selon lui, il y a la malédiction. Amen. Amen. Si tu veux avoir un surplus par rapport à ce que Dieu nous a tous donnés, change ton comportement et marche comme Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, dans sa vie sur la terre, il a réclamé une seule fois. Non, réclamé ce droit. Une seule fois. Après qu'il ait fini ça. Alléluia. Amen. Vous savez, très souvent, évidemment, c'est vrai, nous avons des droits en tant qu'enfants de Dieu. Mais ces droits, nous ne pouvons l'avoir que si nous marchons tel que Dieu veut. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il avait reçu le nom au-dessus de tous les noms, juste après avoir accompli sa mission. Pendant qu'il exerçait sa mission, il n'avait pas ça. Alléluia. Amen. Acclamons Jésus. Acclamons Jésus. Vous savez, dans notre première lecture dans Genèse, le chapitre 1, versets 27 à 28, nous avons lu que Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, il le créa l'homme et la femme. La Bible dit, Dieu le bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds. Multipliez, remplissez la terre.
et assujettissez et dominez sur tout ce qui existe. Écoutez, le verset 28 ne peut s'accomplir que si tu as l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, tu n'as que lorsque tu donnes ta vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, que tu l'acceptes dans ta vie. Amen. Voilà pourquoi nous devons. Nous devons être recréés par Dieu pour que nous puissions rentrer à l'image de Dieu et vivre cette bénédiction. Et cette bénédiction est destinée seulement à ceux-là qui sont à l'image de Dieu. Je vais vous dire une chose. Vous savez, des fois, lorsque vous regardez un enfant, des fois vous regardez, vous dites, il est comme son père. C'est une fierté pour son père. Amen. Amen. Si l'enfant est comme lui, c'est la même chose avec Dieu. Si nous sommes à l'image de Dieu, nous sommes à sa ressemblance, mais Dieu est dans la joie. Il va te propulser. Il va faire en sorte que tu sois sur la montagne, que tout le monde te voie et qu'on regarde celui-là. Il est à l'image de Dieu. Amen. Amen. Si tu veux être dans la montagne, sois à l'image de Dieu. Sois à l'image de Dieu. Église de parole divine. Et toutes les autres églises. Nous sommes tous membres de la famille de Dieu. Dieu nous a choisis depuis le commencement. C'est lui qui nous a élus. C'est lui qui nous a appelés. Tout celui qui est né de nouveau, qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, entre dans l'alliance d'Abraham. Alléluia. Amen. Je me rappelle il y a longtemps, un ami va me poser cette question. Quel rapport y a-t-il entre Abraham et nous? Parce que Dieu a choisi Abraham. Dieu a fait des promesses à Abraham. Que Abraham, tu auras beaucoup des enfants. Pendant que quand Dieu disait à Abraham que tu auras beaucoup des enfants, Abraham n'avait pas encore d'enfants. Il lui dit que tu auras beaucoup d'enfants. Tu seras béni. Ta descendance sera bénie. Mais comment toi tu peux entrer dans cette alliance-là? Parce que Dieu a parlé une seule fois. Esaü avait raté sa bénédiction. Parce que son père a parlé une seule fois. On ne peut pas donner la bénédiction, la même bénédiction à deux personnes différentes. On donne à une seule personne. Et Dieu dans le ciel, il parle. Il bénit Abraham. Écoute. Si tu veux entrer dans cette alliance, il y a une ouverture. L'ouverture, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout celui qui a Jésus fait partie de cette alliance et bénéficie de la bénédiction que Dieu avait déclarée à Abraham. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, membres de la famille du Christ, parce que nous avons accepté Jésus, nous bénéficions de cette bénédiction que Dieu a déclarée à Abraham. Alléluia. Amen. Regarde ton frère qui est à tes côtés. Tu lui dis que tu es mon frère et tu es ma soeur. Si
Regarde-les. Même si c'est ton mari ou ta femme, dis-lui. Est-ce que vous savez que au début il y avait qu'Adam et Ève, non? Libandeleza la kaka Adam na Eva. Esther Barnabé, c'est ta sœur. Yo na zalinde konayo. Tu es ma sœur. Tu es ma sœur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous devons nous aimer. Et Dieu nous a aimés le premier. Mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Alléluia. Moi, je suis conscient que Dieu m'aime. Je voudrais que tu sois conscient que Dieu t'aime. Et que tu dois aimer ton frère et ta soeur. Aujourd'hui, ça sera un peu spécial. Nous n'allons pas prier en famille telle que nous sommes nés par nos parents. Mais nous allons prier tel que nous sommes nés en Jésus-Christ. Alléluia. Nous mettons debout. Nous allons prier. Ne me laisse pas quand je suis seul. Ne me laisse pas quand ça me blesse. J'ai des stress sans cesse qui me presse. Je ne sais quoi faire, je suis seul. Ne me laisse pas, ça me presse. Dans ma détresse, je crie sans cesse. Ne me laisse pas, ça me blesse. Dans ma tristesse, besoin de ta tendresse. Saint-Esprit, dans ma vie, ami fidèle, je n'ai que toi, Saint-Esprit, dans ma vie, ne me laisse pas. Ne me laisse pas, quand je suis seul, ne me laisse pas, quand ça me blesse, j'ai des stress sans cesse. Qui me presse, je ne sais quoi faire, je suis seul. Okay.
Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas fini. La personne avec qui tu as prié, tu le regardes comme ça. Tu le regardes aux yeux. Tu lui dis sincèrement que tu es ma soeur ou que tu es mon frère. Et que nous avons le même sang. Le sang de Jésus. Tu peux l'embrasser. Alléluia. Et puis, alléluia. Si vous ne vous êtes pas encore donné de numéro, si tu n'as pas le numéro de la personne avec qui tu as prié, tu prends son numéro et lui aussi te donne son numéro. Même après le culte, je voudrais vous voir avec la personne. Peut-être maintenant, vous vous donnez le numéro. Alléluia. Vous savez, là où il y a l'amour, c'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Là où il y a l'unité, c'est là où l'Éternel déverse ses bénédictions. Maintenant, je vais déclarer pour demander les bénédictions de Dieu dans vos vies. Maintenant que l'amour de Dieu est là, maintenant que nous sommes unis, maintenant que nous sommes un, Père, toi tu veux que nous soyons un comme tu es un avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi en ce moment, je demande que le ciel s'ouvre, que tu descendes dans ta gloire et que tu bénisses ton peuple. Déverse tes bénédictions sur tes enfants. Tu connais les soucis de chacun d'eux. Tu connais les désirs de chacun d'eux. Tu connais comment parmi eux, il y a de ceux-là qui pleurent, mais ils viennent à toi. En ce moment, oh Dieu, je prie que le ciel s'ouvre et que ta bénédiction descende et que ta bénédiction soit le partage de chacun d'eux. Essuie leurs larmes, Seigneur, et que tu leur donnes la joie et que tu leur donnes la paix. Oui, Seigneur, ils ont des mains tendues vers toi. Nous avons nos mains ouvertes et tendues vers le Seigneur. Père, tu as dit, je bénirai le travail de ta main. Seigneur, tous ont les mains tendues vers toi. Et je déclare dans le nom de Jésus que tu bénisses le travail de leurs mains. Que tu déposes quelque chose entre leurs mains. Tel que tu nous avais montré cette casserole remplie de l'eau. Et que tu donnais à chacun de nous, Seigneur, en ce moment, que ton armée céleste descende, que les anges descendent du ciel, avec des bénédictions particulières pour chaque membre de cette église, et que tu déposes dans leurs mains, Seigneur. Dépose au Père. Dépose au Père. Dépose au Père. Comme nous sommes une famille de Dieu. Une famille bénie, laisse que l'onction du Saint-Esprit soit sur chacun d'eux. Et qu'en ce moment,
Je demande la plénitude pour une activité particulière pour chacun de maintenant, dans le nom de Jésus. Comme dans la Bible, nous voyons Paul et Silas, ils étaient ensemble et l'église priait. Il y a une forte puissance et la présence de Dieu. Le lieu où se trouvait tremblait, Seigneur. Nous voulons voir ta manifestation et que tu déposes des dons particuliers pour chacun, chaque membre de cette église en ce moment, ô Père. Ouvre les yeux spirituels. Ouvre à ceux-là que tu donnes les dons, Seigneur, de voir ta gloire, de voir ta présence, de voir les anges qui sont avec nous ici. Alléluia. Ô Père, nous sommes dans ta présence et nous voulons voir ta main. Nous voulons voir ta main. S'il y a de ceux-là qui sont captifs en ce moment, ô Père, et un membre de ta famille, qu'ils soient libérés, libres au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, je sens ta présence, je sens ta chaleur, le feu est en train de brûler, Seigneur. Que le feu brûle et traverse, Seigneur, chacun de maintenant, au nom de Jésus. Que le feu brûle et que le feu descende du ciel. Que le feu vivifie. Que le feu brûle et consume tout ce qui n'est pas de Dieu. Alléluia. 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 Que le feu descende du ciel. 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 Requiere bébé de Chintarababaures. Que le feu descende du ciel. Soyez remplis. Feu. Si tu as un problème avec quelqu'un en ce moment, ouvre ton cœur et libère cette personne. Même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton ami, quelqu'un dans ta famille, libère maintenant et que tu pardonnes. Je sens qu'il y a des cœurs, des personnes qui sont là, qui ont été déçus, mais ils ont des problèmes parce qu'ils n'acceptent pas la situation qu'ils traversent. Et condamne qu'ils sont victimes de cela parce qu'il y a une personne qui a fait ceci ou cela. Maintenant, commence à pardonner, commence à libérer. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Libère, 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 commence à pardonner. Commence à pardonner. Rekebebero de Shintarababa Ores.
Maintenant, tu vas te purifier par le feu. Tu vas invoquer le feu sur toi-même. Si l'ennemi a déposé quelque chose dans ta vie, sur ton corps, que le feu du ciel descende et consume tout ce que l'ennemi a fait dans ta vie. Allez, invoque le feu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Nous invoquons le feu. Nous sommes dans la présence de Dieu et nous invoquons le feu. Nous invoquons le feu. Que le feu consume tout ce qui est du diable. Tout ce que l'ennemi a déposé sur ton corps. Tout ce que l'ennemi a déposé dans ta vie. Invoque le feu. Invoque. 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 Feu. Le feu. Feu, 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 feu. Reke bebe rode chinta rababa ures, ikere bebe rode chinta rababa ures, ikere bebe rode chinta rababa ures, ikere bebe rode chinta rababa ures. Maintenant, tout ce que l'ennemi avait mis est consumé. Maintenant, demande maintenant que le feu de l'esprit soit sur toi. Commence à demander le feu de l'esprit. Demande le feu de l'esprit, la plénitude. Demande la plénitude, demande le feu. Pour que quelque chose se fasse maintenant dans ta vie. Alléluia. 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 Commence maintenant à prier pour ta nouvelle famille. La famille que Dieu t'a donnée. Commence à prier pour ça. Commence à prier pour ta nouvelle famille. Commence à prier. Commence à prier pour l'église, le corps du Christ. Commence à prier pour l'église de Dieu. Alléluia. Alléluia. Soyez remplis. Soyez remplis. Soyez remplis, soyez dans la plénitude. Que l'Esprit de Dieu vous saisisse. Que l'Esprit de Dieu vous touche. Que l'onction de l'Esprit de Dieu vous touche. Soyez remplis, soyez dans l'onction. Soyez dans l'onction. Soyez remplis. Et que les bébés rodéchins, carababa oréch. Soyez remplis.
Alléluia. Sincèrement, le Saint-Esprit me met à cœur de te dire que tu dois ouvrir ta bouche pour que tu parles à Dieu. Il est là, il t'écoute et il va t'exaucer. Tu as un problème particulier et Dieu est prêt et il est là à tes côtés. La Bible dit, il se laisse trouver par ceux-là qui le cherchent. Il est proche. Parle sincèrement à Dieu. Commence à parler à Dieu. Dis à Dieu, parle à Dieu ton problème. Dis-lui, il est là. Dis-lui. Parle à Dieu. L'Esprit de Dieu est là. Parle à Dieu. Parle. Parle. Parle à Dieu. Ne te retiens pas. Dis-lui la vérité de ton cœur. Dis-lui la vérité de ton cœur. Parle à Dieu. Père de gloire, nous te rendons grâce, toi qui es Dieu. Et nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parce que tu nous exauces. Merci parce que tu nous parles. Merci parce que tu nous libères. Merci parce que tu nous accompagnes. Tu es éternel. Tu es éternel. Tu es éternel et tu es Dieu. Alléluia. 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 Acclamons Jésus. Poussons des cris de joie. Tu as une nouvelle famille. Amen. 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 Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut vraiment crier très fort pour que le mur tombe? Très fort pour que les murs tombent. Amen. Amen. Nous entrons maintenant à la dernière phase. La dernière phase, nous allons faire le tour du mur de Jéricho. Amen. Avec louange,
décrit, tu peux faire tout ce que tu veux, mais que seulement ce mur la tombe. Ce mur doit tomber aujourd'hui. Ce mur doit tomber aujourd'hui. Levez. Entre-temps, vous amenez le panier de Chambien. Nous allons au rythme de faire tomber le mur. S'il faut tourner ici, tourner. Fais quelque chose que tu n'as jamais fait pour que ce mur-là tombe. Aujourd'hui, les murs doivent tomber. Et puis, s'il y a des sorciers qui t'avoutent, aujourd'hui, ces sorciers-là, baroyer, bah non. Où est Zarias? Je crois que interne, nous voulons faire tomber de ce mur.